Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour sur Toria. On va aller se promener en mer dans la baie du Havre avec Toria qui se trouve juste derrière moi ici. Ici, voilà, prêt à partir. Et puis c'est parti, hein, on y va? Allez, on y va. On vient de quitter ma place là. On se dirige vers la sortie. Tranquillement. Je fais gaffe que mon moteur se mette pas en vrac. Mais pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, on sort tranquillement. Le moteur qui tourne un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà, excusez-moi du coup. Voilà, du coup, nous sommes en mer, ça y est, nous sommes de large du Havre. Là, je suis en train d'essayer de sortir du chenal parce que le chenal est. On est dedans là. Alors bon, je vous raconte après un peu ce que c'est ce chenal, ce fameux chenal du Havre dont on entend des fois parler. Mais tout ce que je vous dis pour l'instant, c'est que bah, normalement on n'a pas le droit d'être dedans quoi. Enfin, faut qu'on en sorte le plus vite possible. Donc là, on est dans des conditions pas très faciles en fait. Hier il y a eu un coup de vent, enfin il y a eu des gros grains et tout, la mer était dégueulasse. Et aujourd'hui il n'y a plus beaucoup d'air, il n'y a pas beaucoup d'air et on est. Et par contre il reste la mer un peu dégueulasse hier. Alors ça commence à se calmer là, ça a un peu croisé mais c'est pas très gros mais c'est un peu chiant quoi. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de vent donc c'est pas des conditions très agréables mais ça va quoi. Bah du coup je vais vous présenter la ville du Havre. Donc voilà à quoi ressemble la ville du Havre vue de la mer, donc vue du large. Donc c'est très caractéristique hein, en béton et tout ça, avec l'église Saint-Joseph qui a été édifiée du coup après la guerre aussi, puisque presque tout a été détruit au Havre. Il y a eu un gros pourcentage de la ville qui a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, et du coup bah, ils ont tout reconstruit sur des plans, donc en béton. Donc c'est très caractéristique, c'est classé à l'UNESCO, le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est plutôt super joli. Faut venir ici un soir, si un jour vous avez un bateau, vous venez ici le soir au coucher du soleil. Je sais pas si je serai encore un mois au coucher du soleil, sinon je filmerai peut-être ça. Et au coucher du soleil, on voit le soleil qui se reflète dans toutes les vitres et tout, et dans Saint-Joseph. Et ça c'est juste génial. Là-bas, au fond, vous voyez les deux cheminées de la centrale à charbon qui va bientôt fermer d'ailleurs. Parce que notre cher président l'a promis qu'il allait fermer toutes les centrales à charbon. J'espère juste qu'ils laisseront les tours parce que c'est un des symboles du Havre avec l'église Saint-Joseph. Et surtout, c'est un repère qu'on voit de très loin. Qu'on voit de très loin au large. Là voilà, là c'est l'entrée du port du coup. L'entrée du port de commerce. Et là-bas derrière vous avez le port de Mille. Enfin, et là derrière vous avez une bouée. C'est la limite entre les deux chenals. Entre le chenal de port de Mille et le chenal principal. C'est-à-dire qu'en fait à cet endroit-là les deux chenaux se séparent. Là-bas vous avez la pointe de la Hève avec le sémaphore. Donc si un jour vous avez un problème, c'est là qu'il faut appeler. Et tout ça, c'est Sainte-Adresse. Donc là, vous quittez le Havre, vous êtes à Sainte-Adresse. Donc avec le palais, c'est palais des régates, je crois que ça s'appelle. C'est assez joli, c'est un grand bâtiment. Et il me semble que pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, ou pendant la Première, je ne sais plus, il y a eu le gouvernement belge qui est venu ici. Là où vous voyez peut-être, oui on le voit, un petit bitonio blanc au-dessus de la falaise, c'est ce qu'on appelle le pain de sucre, c'est un amer pour se repérer en mer en fait. Je profite de cette petite accalmie parce que là on avait un vent qui changeait tout le temps en direction, c'était chiant. Et pour vous montrer là, dans tout le fond, je pense que vous avez, je sais pas si vous allez le voir là, c'est sur l'eau, hein. Il y a deux bouées. Une bouée jaune, deux bouées jaunes et noires en fait. Ça c'est des bouées cardinales et ça protège une épave. Donc qui s'appelle le Bruges, qui est un bateau qui a coulé ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le secteur manque pas d'épaves, on a beaucoup d'épaves.
Du côté du Havre, ça va. Si vous montez un peu plus haut, il y en a beaucoup. Et si vous allez du côté de la basse Normandie, bien évidemment, avec le débarquement, il y a énormément d'épaves. Et c'est des lieux où le pêcheur aime bien aller. Mais alors celle-là, faut vraiment s'en méfier parce qu'il y a déjà plusieurs bateaux qui se sont fracassés dessus. Dont un qui a, enfin, un bateau qui après a été trop cassé pour être réparé, quoi. Donc voilà, c'est un endroit où il faut se méfier. En plus, la nuit, ils sont pas éclairés, ces bouées. Donc faut vraiment connaître le secteur et s'en maintenir écarté. Après, en catamaran ou en laser, on peut y aller, mais avec mon bateau, par exemple, j'y vais pas, quoi. Enfin, j'évite. À certains moments, je pourrais peut-être passer, mais j'ai pas envie d'aller jouer là-dedans, quoi. Parce que taper sur une épave, même si elle est bien rouillée, même si à une époque elle était plus grosse que ça, ils en ont déjà cassé une partie pour que ce soit moins dangereux, mais. Mais bon, c'est encore dangereux, quoi. Les bateaux n'aiment pas taper les épaves ou les rochers ou tout ce que vous voulez. Je profite qu'il y ait des bateaux derrière là, c'est des J80, pour parler un peu de l'activité nautique au Havre. Donc au Havre, au niveau des clubs de voile, il y a le CNPV, Centre Nautique Paul Vatine, il y a la SRH, Société des Régates du Havre, le SNPH, Société Nautique Plaisance Le Havre. Donc c'est ces trois clubs qui se partagent en fait un même terre-plein, qui sont juste l'un les uns à côté des autres. Et au milieu de tout ça, il y a la Ligue de voile de Normandie, donc qui se trouve un peu au milieu, où j'ai passé 2 ans. Là derrière les bateaux, c'est des J80, donc c'est la SRH. C'est les seuls qui ont des J80 au Havre. Et là-bas, il y a des lasers. Là derrière, il y a des lasers là-bas. Et du coup, les lasers, normalement c'est SNPH, mais là j'ai l'impression que c'est un club non havrais qui est venu s'entraîner au Havre. Peut-être un club de lac qui veut venir s'entraîner en mer avant une régate. Ça arrive des fois. Du style, il y a le CVSE, donc à Bédane, qui vient des fois s'entraîner en mer. Parce que les liens entre Bédane et la Ligue de voile sont assez étroits. Et du coup, Bédane vient s'entraîner en mer ici. Pour travailler un peu l'aspect mer vague qu'ils n'ont pas chez eux, quoi. Par contre, les vents sont un peu plus réguliers en mer. Même si la baie du Havre n'est pas la partie la plus régulière. C'est pas très simple de naviguer au Havre. En vrai, on aurait l'impression comme ça, ouais, c'est facile, mais c'est pas super simple. Les courants, c'est des courants à la con, les vents, c'est des vents à la con. La preuve, d'ailleurs, ça n'arrêtait pas de changer, bon, ça peut arriver partout. Et là, par exemple, on est en train de changer. Ma voile d'avant est plus très bien réglée. On va tirer un peu sur la barre pour l'instant et je remettrai sur le cap tout à l'heure. Ce que vous entendez là, le petit bruit là, c'est le pilote automatique qui gère la barre. Voilà, du coup, je vais vous laisser parce que je suis en train d'arriver sur le laser. Il va falloir que je gère ce passage-là. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure. Là, on commence à voir ce qui fait pour moi la beauté de la Haute-Normandie. Enfin, de l'ancienne Haute-Normandie, on va dire de la Seine-Maritime, du coup, du département de Seine-Maritime. Les falaises. Le début des falaises. Donc, les falaises, elles commencent au Havre. Elles finissent à Olt. Donc, pas en Seine-Maritime. Dans la Somme, du coup. Et voilà, là c'est le tout début, hein. C'est la première fois qu'elles apparaissent par là-bas, du coup c'est le Havre, après c'est toute la baie. De l'autre côté, il n'y a pas vraiment de falaise, enfin c'est pas vraiment comme... on voit pas la craie, quoi. C'est à partir de là qu'on voit la craie. Alors vous allez peut-être reconnaître, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai filmé au drone. Alors c'est beaucoup plus nord qu'ici, ce que j'ai filmé au drone. Parce que là, le problème, c'est qu'on a un aéroport qui est pas très loin. L'aéroport du Havre-Octeville. Donc, il faut faire attention si on fait voler le drone. Faut pas aller proche de l'aéroport. Donc, j'ai filmé bien plus nord que ça. Mais les falaises, ça ressemble. Elles sont assez caractéristiques juste après le Havre parce qu'elles sont un peu en deux parties, quoi. Vous voyez toute la partie falaise et après, ça fait des éboulis en dessous. Ça fait un peu à part palier, alors que plus au nord, du côté de Dieppe et tout ça, c'est plutôt assez franc, quoi. Ça a palier à peu près jusqu'à Antifer, grosso merdo, et après ça devient beaucoup plus franc.
Alors que là, on est dans une petite zone de plus calme et ça, le vent devrait reprendre. Ah, les J80 qui s'entraînent. Le Havre derrière, voilà, la vue est magnifique, juste surtout sur le Havre. En plus, il y a grand soleil et tout, donc c'est génial. C'est le top. Toria, là, on est bien, on a la bonne toile, je pense. On est Génois, grand voile haute. Certains diraient peut-être qu'il faudrait mettre le Solent. Là, je trouve que non, je trouve ça bien. Il y a un peu d'air, donc c'est cool. Le vent a monté, la mer s'est vachement aplatie par rapport à tout à l'heure, donc c'est plutôt cool. Parce que le petit point blanc que vous voyez là-bas, c'est une statue d'un homme portant un enfant sur ses épaules. C'était pour les. Je crois que c'était les 500 ans, ouais, c'est ça. Les 500 ans du Havre. C'était pour les 500 ans du Havre, c'était des sculptures qui avaient été mises. Celle-là est restée, il y en avait une aussi à l'entrée du port. Avec un éléphant, mais celle-là a été enlevée. Là, on peut voir juste au-dessus de la falaise qui dépasse à côté de la grosse tour rouge et blanc là. Et ben, c'est le phare de la Hève. Donc, c'est un phare qu'on voit d'assez loin. Moi, quand je suis revenu de l'Angleterre, je le voyais. Faut regarder sur les cartes, je sais plus à combien il est, faudrait que je regarde. Mais il éclaire assez loin et je crois que c'est 30 000, je crois. Mais c'est à prendre avec des pincettes ce que je dis. Et preuve que la Terre est ronde, c'est que je voyais d'abord son faisceau avant de voir l'origine. Je voyais d'abord la lumière avant de voir l'origine de la lumière. À cause de la courbure de la Terre. Là, on arrive à un des plus beaux endroits de la baie. Dans un des plus beaux endroits de la baie parce qu'on commence à voir, on voit la pointe Nantifer tout là-bas. C'est un endroit où il faut avancer encore un petit peu, mais on arrive à l'endroit où on peut voir tout le début de la falaise. Enfin, vers la pointe Nantifer. Et vous voyez déjà, on distingue qu'à la pointe Nantifer, la falaise est abrupte. Alors que là, elle n'est pas du tout abrupte. Mais ça a son charme, la falaise comme ça a son charme aussi. Abrupte, ça a son charme, mais comme ça a son charme aussi, quoi. C'est plutôt joli, je trouve. Alors pourquoi il y a des endroits où c'est plus abrupt que d'autres? C'est surtout une histoire d'érosion et aussi de composition du sol, en fait. C'est aussi ce qui cause les valeuses en fait. Des fois, vous avez des poches de limon et tout, et du coup, la falaise va s'éroder à un endroit et pas à l'autre, et ainsi de suite. Et donc, ça donne ces magnifiques endroits. Là où on continue à voir le phare de la Hève. Donc là, en fait, on sort un peu de la baie du Havre, quoi. Là, c'est la sortie de la baie du Havre, en fait. Et voilà, la falaise est en train d'apparaître. Enfin, toute la falaise jusqu'à Antifer apparaît. Tout là-bas, derrière le Zodiac, là-bas, on voit des genres de cylindres. C'est une ancienne ferme apicole, enfin d'aquaculture, quoi, et qui n'existe plus. Et c'est la limite de navigation des bateaux du Havre, enfin des bateaux des clubs du Havre, de voile du Havre.
Alors, je fais cette petite partie parce que je m'excuse, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. J'ai dit que ce qu'on voyait là-bas, c'était l'ancienne ferme aquacole. Et en fait, non, c'est les réservoirs du port d'Antifer qu'on voit là-bas. Et en fait, la petite ferme aquacole, je sais pas si vous allez voir quelque chose, vous. Voilà, là où le bateau passe, là, il y a un bateau qui passe juste devant. Hop. Celui qui va vers la falaise, il vient juste de passer devant. On voit un petit point jaune, bah c'est là en fait. Ça, c'est l'ancienne ferme aquacole. Il me semblait bien qu'en fait les bidons, enfin les réservoirs là-bas, c'était un peu trop gros. Et ouais, non, ça c'est les réservoirs du port d'Antifer. Donc port en fait pétrolifère. Où il y a quasiment jamais, okay, y a quasiment jamais de cargo. J'en ai croisé une seule fois dans le secteur. J'ai croisé une seule fois un cargo dans le secteur, donc bon. Voilà. Toute cette biodiversité détruite pour pas grand-chose en fait. C'est quand même dommage. Alors qu'on a quand même déjà. On a déjà quand même de quoi faire ici, quoi. Au Havre. Le problème, c'est que là-bas, en fait, c'est pour recevoir vraiment les super tankers, quoi. Et le port 2000 n'est pas un port pétrolifère, mais plutôt un port de. Et plutôt un port de conteneurs. Enfin, c'est un port de conteneurs, en fait. Il n'y a que des conteneurs qui sont déchargés là-bas. Et bah, en fait, si on veut décharger du pétrole directement au Havre, on passe par le port classique. Et je pense qu'il y a un problème de tirant d'eau. Alors que là-bas, ça a été dragué. Même si il y a un petit problème aussi là-bas, c'est que le chenal en fait se décale un petit peu. Et une fois, bah, la seule fois où j'ai vu un cargo là-bas, le cargo en fait naviguait hors chenal et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on m'a expliqué plus tard qu'en fait c'était le chenal qui se décalait en fait. Donc que les cargos ne passaient pas dans le chenal. Mais ça surprend. Voilà, là maintenant on voit vraiment toute la falaise jusqu'à Antifer. On verra pas plus, hein. Faut vraiment aller très haut et même en allant très haut, il me semble, oui, j'ai déjà réussi à voir Fécamp, quand même. En allant vraiment très très loin au large, j'ai déjà réussi à voir Fécamp. Je sais pas si on le verra aujourd'hui. Enfin, il faut le faire de nuit parce que de jour on le voit pas, mais on voit les lumières de Fécamp, en tout cas. Ça, j'en suis sûr et certain. Alors que là, tout à l'heure, on a passé devant une bouée rouge. Donc ça, c'est une bouée placée par les clubs de vol. C'est les bouées gonflables. Et du coup, j'ai pu avoir des indications sur mon courant et je comprends un peu mieux pourquoi c'est dur d'avancer parce qu'on a le courant en pleine poire. Mais quand je vous dis en pleine poire, c'est vraiment en pleine poire, quoi. Là, je l'ai pile poil en face. Courant de face au près, on ne sait jamais très bien. Avec pas beaucoup de vent, c'est jamais très bien. Et voilà, le bleu. Enfin, c'est peut-être un bleu vert ici, mais la mer, voilà, ça fait du bien. Franchement, je peux pas vous cacher, ça me fait trop du bien là. Je suis trop bien.